Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, solde d'été 2023. Je me retrouve actuellement devant Carrefour, hop. Et il n'y a pas grand monde pour l'instant, il est à peu près 9h, 8h55. Donc j'attends l'ouverture des portes et c'est parti pour dénicher des bonnes affaires. A tout de suite pour les images. Amis, pour vous présenter mes achats soldes d'été 2023. Donc je fais plusieurs enseignes, j'ai fait Carrefour, Cultura et Auchan.
j'ai pas fait autre chose. Micromania, j'ai passé à côté, mais je suis même pas rentrée. Mais en gros, il faut dire la vérité que les soldes, c'était mieux avant. J'avais trouvé mieux en soldes d'hiver 2023. Il n'y avait pas beaucoup de choix, il y avait de la concurrence. Les prix étaient vachement chers des fois. Donc franchement, ça devient compliqué en solde de trouver des jeux vidéo. Mais quand même, j'ai trouvé mon bonheur. Donc j'ai acheté quelques petits jeux, quelques accessoires qui font plaisir. Le premier jeu que je rentre, c'est un jeu PS4 et c'est le Zoro V Chronicles. Il était soldé à 7,50€, donc je me suis laissé tenter. Voilà, j'ai vu un petit peu le gameplay, il me plaît énormément. Donc pourquoi pas le tester. C'était pour 7,50€. Ensuite, je rentrais dans Carrefour aussi un jeu que je souhaitais avoir. C'est un jeu que je cherchais énormément. Je voulais le rentrer plutôt sur la Xbox One, mais malheureusement, il n'était pas en solde. Mais il était soldé sur la PS4, donc j'ai pas hésité à le prendre. C'est le Tiny Tina's Wonderlands. Il était à 15€ au lieu de 29,99€, donc j'ai même pas hésité une seconde. Il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires. Déjà, j'en ai trouvé qu'un seul sur le bac, à moins que les autres les ont pris. Donc je suis super contente de l'avoir rentré, j'ai hâte de le tester. Après, le troisième jeu, c'est un jeu Switch et il me semble qu'il y avait beaucoup d'exemplaires, mais j'ai réussi quand même à choper un seul parce que la personne l'a déposé. Et franchement, ça tombe bien parce que je ne le possède pas dans la collection. C'est le Sonic Team Racing en édition collector. Team Sonic Racing, super contente. Il était à 14,98€ au lieu de 29,95€. Bon, je comprends pas pourquoi ils mettent des trucs comme ça, mais franchement, ils ont défoncé la boîte. Mais c'est pas grave. Donc ça, je suis super contente d'avoir tombé dessus parce que voilà, il y avait quelqu'un qui a tout pris, comme d'habitude. Hein. Vous connaissez tous maintenant les soldes à quoi ressemblent. Donc j'ai quand même réussi à choper le petit Sonic pour 14€. Encore un jeu Switch que j'ai pu trouver sur ce bac et il n'y en avait que deux, croyez-moi, il n'y en avait que deux jeux uniquement. Donc je commence à fouiller, je vois le jeu, la jaquette m'intrigue, j'étais intéressée, je le prends dans la main et j'étais au même moment en train d'hésiter à prendre un deuxième et bim, le deuxième copie part. Donc la personne a vu que j'ai pris le jeu et il a fait pareil. Le jeu c'est le Evergate, je ne connaissais même pas ce jeu, la jaquette elle me plaît. Le prix était très correct. Si vous connaissez ces jeux-là, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu. Ensuite, j'ai été à Cultura, mais je n'ai rien rentré. Il y avait des jeux qui ne m'intéressaient pas du tout. Les bacs, ils étaient quasi vides. Mais j'ai été quand même à un autre Carrefour et j'ai trouvé encore deux jeux et deux accessoires. Donc franchement, super contente. Le premier jeu que je rentre, c'est le Astérix et Obélix XXL2. Il était à 8€. Il n'y en avait qu'un seul dans le bac, donc je n'ai même pas hésité. Voilà, il était à prix de départ, c'était 24,90€, donc je l'ai eu pour 8€. Et le deuxième jeu, franchement, super contente de l'avoir rentré. Un jeu que je voulais rentrer pendant les soldes d'hiver, mais je n'ai pas pu le retrouver. Mais franchement, il n'y avait qu'une seule copie dans le bac, donc j'ai pu trouver quand même le Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Donc je suis super contente pour ce jeu. Il était à 19€ au lieu de 39,90€. Franchement, il n'y a pas mieux. Et j'étais super contente d'avoir trouvé des choses que je souhaite rentrer dans la collection surtout. Donc ensuite, j'ai pu trouver quand même des petites choses sympathiques en accessoires Switch. Donc je rentrais une petite manette, je vais commencer par la première, c'est édition Pokémon, c'est une manette filaire Pokémon, très sympathique en fait, c'est ma fille qui a craqué et du coup je l'ai pris pour elle, elle était à 24€, donc elle était soldée à 12€, donc franchement c'est un excellent prix pour la collection, je sais pas si elle voulait la déballer pour jouer, mais franchement à ce prix, je suis franchement super contente de l'avoir rentrée dans la collection. Et la deuxième manette que j'ai pu trouver aussi à Carrefour
Elle était pas chère, elle était soldée, une mallette filaire aussi, donc comme vous avez pu peut-être voir sur une de mes shorts, c'est le édition Animal Crossing New Horizon qui était à 19,95€. Je l'ai eu pour 9€ seulement, franchement. Elle est trop belle, transparente, vert, avec des dessins dessus. Donc franchement, pour le prix, c'est cadeau. Voilà, donc voilà tout ce que j'ai pu récupérer en solde d'été 2023. Des choses que je souhaite garder dans ma collection. Donc des jeux que j'ai loupés pendant les soldes d'hiver, mais j'ai quand même retrouvé quelques-uns. Faut dire que les soldes actuellement, c'est compliqué. En voyant certaines vidéos sur YouTube, franchement, ça devient n'importe quoi. Il y a des gens qui prennent des piles de jeux sans regarder. Il y a d'autres qui prennent plusieurs copies. Franchement, c'est pas sympa pour les autres. Nous aussi, on vient tôt à l'ouverture. On est là pour le plaisir de jeux vidéo. Mais voilà, ça se passe comme ça. Il faut vraiment faire quelque chose. Sinon, ça devient insupportable. Je suis quand même super contente de mes trouvailles, des jeux que je souhaitais avoir dans ma collection. Je ne suis pas ruinée. J'ai rentré des bons jeux. Malgré la quantité limitée des jeux, la concurrence, la hausse des prix, j'ai quand même trouvé mon bonheur. Je suis super contente d'avoir trouvé ce jeu-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de mes trouvailles solde 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo vide grenier. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et ciao ciao les amis.